Salut les gars, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on a un nouveau patch sur Rust, le patch 1.53. Alors, la vidéo, je vous avoue qu'elle sort un petit peu en retard, elle aurait dû sortir la veille, mais par problème de maladie tout simplement, c'était pas du tout possible, j'arrivais pas à parler, là encore ça s'entend sûrement un petit peu à ma voix. Mais voilà, du coup hier c'était pas possible que je fasse la vidéo, donc sur ce, le patch 1.53 est là. Très simplement, on va lire le texte que nous donnent les développeurs. Bonjour les survivants, voici une autre mise à jour pour résoudre certains des problèmes du jeu. D'autres viendront. Pour l'instant, jetez un coup d'œil à notre liste de correctifs pour les mises à jour 1.53. Et oui, hein, comme d'habitude, forcément, maintenant il nous le précise directement. Voici une autre mise à jour pour résoudre certains problèmes, et d'autres viendront. Parce que de toute façon, on n'a que ça sur Rust Console, des patchs. On est au 1.53, ça fait déjà 53 patchs qu'on a dans le jeu, et ça ne va pas s'arrêter là avant qu'on ait enfin du vrai contenu. Comme d'habitude, vous avez en description le Discord que vous pouvez rejoindre pour tout simplement trouver des mates sur Rust, etc. Mais aussi avoir tous les patchs détaillés et traduits en français que je vais vous mettre directement la liste par rapport aux patchs. Parce que, ben, il n'y a rien d'intéressant, clairement, on va pas se le cacher. Et ça sert à rien que je vous énumère tout ce qu'il y a, parce que ça va intéresser qu'une petite partie des joueurs. Mais, à savoir que cette fois-ci, ils nous ont mis une liste encore des bugs qui sont connus des développeurs, mais qui n'ont pas été encore traités pour le patch 1.53, tout simplement parce qu'il n'avait pas le temps, et d'abord ils se sont concentrés sur d'autres problèmes. Ce qui va donner suite à d'autres patchs, encore une fois bien entendu. Mais voilà, quoi, c'est cool, on a des bugs qui sont réglés, il y en a d'autres qui arrivent, et puis bah, ça ne s'arrête jamais. Bon, après, pas être que négatif, il y a Halloween qui arrive, ils ont prévu une petite mise à jour sur console qui a l'air d'être quand même sympa. Quand on parlait l'année dernière, on n'avait rien eu, il y aura quand même des objets qu'on pourra poser, des meurtriers à tuer, du loot à récupérer, des butins, des chasses aux bonbons, etc. De quoi faire un petit événement sympa sur Halloween Rust Console. Vous avez en description à l'écran des vidéos que je vous ai fait sur la branche test du jeu où j'avais testé quelques nouveautés qui avaient été ajoutées et qu'on avait pu tester concernant la prochaine mise à jour Halloween. Et sur ce les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine, allez salut.